chanter jodi a. C'est grâce mon Dieu qui en est moi. Alors quittez-moi louer, quittez-moi adorer bon Dieu moi. Si m'a chanté jodi a, grâce mon Dieu sous moi. C'est pas y me fait pour ça, c'est garder garder moi comme ça. Si m'a chanté jodi a, grâce mon Dieu sous moi. C'est pas y me fait pour ça, c'est garder garder moi comme ça. Qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. Si m'a chanté jodi a, grâce mon Dieu sous moi. C'est pas y me fait pour ça, c'est garder. Jodi a, grâce mon Dieu sous moi. C'est pas y me fait pour ça, c'est garder garder moi comme ça. Qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi, qui t'aime louer. Il ressuscité. T'es qu'à tomber en tomboa. Aïe, pas de sa tombe en tomboa. Aïe, pas de sa tombe en tomboa. Aïe, pas de sa tombe en tomboa. Il ressuscité. Il ressuscité. L'homme bat sa chambre en tomboa. 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 Il ressuscité. Aïe, bat sa chambre en tomboa. Aïe, bat sa chambre en tomboa. Aïe, bat sa chambre en Il ressuscité.
immérité, 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 immérité toute gloire, immérité, 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 immérité toute gloire, immérité. Alléluia,
Alléluia, alléluia. Hey, alléluia, alléluia. Oh, puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Chante. Alléluia, alléluia. Chante. Alléluia, alléluia. Oh, puissant est ton nom. Alléluia, 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 oh, puissant est ton nom, alléluia, je chante alléluia, 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 oh, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, alléluia, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta puissance. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons espérer. Fidèle, parce que tu es fidèle. Puissant est ton nom. Parce que tes promesses sont certes. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Comment rester la bouche fermée devant un Dieu si grand? Comment ne pas proclamer sa grandeur? Comment ne pas dire qu'il est amour? Ô Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever parce que tu es digne, parce que tu es puissant, parce que tu es Dieu simplement. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Personne n'est comme toi, tu es.
fuit. Si ça n'a pas tes grâces, moi peut-être qui existait. Lève-moi devant majesté. Agneau immolé, moi adoré. Moi à la place, moi à la si ça n'a pas tes grâces, ma bête qui existait, lève-moi devant majesté, agneau immolé, moi adoré, moi à la place, moi. Moi ni la vie, si ça n'a pas tes grâces, ma bête qui existe, lève-moi devant majesté, agneau immolé, moi adoré, moi adoré, moi à la place, moi à la place, moi, moi ni la vie. Si ça n'a pas tes grâces, moi pété qui existait, m'adorer, Seigneur, moi l'adorer, ton Saint-Nom, parce que tu t'es livré totalement pour nous. Ton sang a coulé à la croix pour nous, Éternel. Et à la croix, tu as pris toute l'horreur de l'humanité. Tu as pris nos péchés, les maladies, les malédictions. Tu as tout porté pour nous, Éternel. Alors merci, merci. Je vous invite à prendre avec moi Acte 3, à partir du verset 1 à 10. Acte 3, à partir du verset 1 à 10. Et je lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans leur temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite,
Il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Prions ensemble. Père éternel, ce matin, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi pour prêcher ta parole. Dirige-moi et fais du bien à tous ceux qui t'écoutent ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message ce matin, je te le donne. Je te le donne. La Bible est un livre extraordinaire, un livre d'une inspiration infinie. Je me souviens avoir prêché sur ce texte il y a peut-être, je crois, 7 ans. Et lorsque j'avais prêché sur ça, je m'étais arrêté sur le boiteux. Mais ce matin, nous allons nous arrêter à Pierre et à Jean. Le premier point, ou encore la première des choses que je veux voir avec vous, c'est le verset premier. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Il faut se mettre à la place de Pierre et Jean. Il y a moins d'un an, peut-être même quelques mois, on a tué Jésus-Christ. La communauté juive et religieuse le considérait comme un rebelle. Un fou qui voulait créer sa propre religion, une nouvelle religion. Un fou qui se prenait même pour Dieu. Mais aussi un fou qui a été crucifié. S'il est vrai que la persécution officielle a commencé un petit peu plus tard, il ne faisait pas bon d'être chrétien dès ce moment, dès le moment du texte. Ce n'était pas à la mode, comme on disait, comme on peut dire du moins. Souvenez-vous, ce même Pierre, lorsqu'on a arrêté Jésus, il a renié Jésus 3 fois. Parce qu'il faisait face à l'hostilité, à la dureté des Juifs par rapport à leur religion. Mais quelques temps après, les choses ont changé pour Pierre. Jésus était ressuscité, Pierre a été baptisé du Saint-Esprit. Mais même si les choses ont changé pour Pierre, pendant tout ce temps, rien n'a changé autour dans le monde juif. Ils avaient toujours cette hostilité, toujours cette réticence contre toute fausse religion, toute hérésie qui viendrait. Pourtant, Pierre et Jean, dans cette même atmosphère d'hostilité, ils vont aller monter prier. Ils vont prier alors qu'ils avaient une bonne excuse pour ne pas venir au temple. Mais Pierre et Jean, ils vont prier. Ils vont prier alors qu'ils étaient presque en danger de mort. Mais Pierre et Jean, ils vont prier. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez vous sentir obligé à venir lors de la réouverture de nos églises. Je dis ça pour vous poser juste une question. Qu'est-ce qui vous empêche de prier? Quelle est l'excuse? Quelle est la raison qui fait que vous ne priez pas? On l'a déjà dit, on l'a déjà répété, tous les pasteurs et tous les responsables font un triste constat. On organise une réunion de prière pour telle ou telle chose. On peut compter ceux qui sont là. On organise une réunion avec une animation, avec une agape du moins. Et là, l'église est remplie, Kaila qu'a pété. Qu'est-ce qui fait que je suis autant, aussi récalcitrant pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles? J'ai acheté un livre cette semaine sur la discipline et la piété. Je ne suis pas encore arrivé à la partie de la discipline de la prière. Mais dès l'introduction, l'auteur a utilisé une expression pour imager notre devoir envers les choses spirituelles. Il a dit, il faut parler de la sueur spirituelle. Il a parlé de la sueur spirituelle. Le jeûne, la louange, la prière, l'adoration, tout ça, ce sont des exercices spirituels, des disciplines spirituelles. Mais lui, il parle de sueur spirituelle. Donc, il dit, ou plutôt je vous dis, est-ce que tu sues spirituellement? Est-ce que tu transpires spirituellement? Est-ce qu'au cas souhait, est-ce que tu as une bonne transpiration spirituelle? Parce qu'il faut prier. Il ne faut pas nécessairement passer des heures et des heures. Il y a quelques temps de cela, je vous avais parlé d'un autre livre où l'auteur parlait, lui, de minimum 1 heure. Lui, cette fois-ci, lui, il dit, pas nécessairement, mais il faut sentir qu'on a prié.
la sueur spirituelle. Il faut sentir qu'on a passé du temps avec Dieu. Il faut sentir qu'on a parlé à Dieu, qu'il nous a répondu. Une bonne sueur spirituelle. J'ai parlé à Dieu, il m'a parlé, j'ai senti sa présence. Il faut prier. Alors, il y a aussi beaucoup de jeunes chrétiens, et parfois même des chrétiens depuis un bon moment, qui font ce constat. Ils viennent me voir parfois et ils me disent, « Pasteur, je n'arrive pas à prier. » À toutes ces personnes, dans le passé, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, « Il faut faire un petit peu plus d'efforts. Il faut fournir un petit peu plus de sueur spirituelle. » Mais dans ce livre, l'auteur a parlé d'autre chose. Avant de parler de la discipline de la prière, il parle de la discipline de l'esprit. Et voici ce que j'ai compris en lisant ce livre. Ce que j'ai compris. Pour être un bon dans la prière, il faut savoir discipliner son esprit. Pour être un bon dans la prière, il faut savoir discipliner son esprit. Alors, quand je dis discipliner son esprit, tout de suite, j'imagine que vous pensez à ce qui nous arrive. Combien de fois on s'est mis à genoux, on a commencé à prier, on veut focaliser sur Dieu, mais on pense à ce qu'on doit faire dans la journée, à ce qu'on va manger, on pense à plein de choses. Je ne parle pas que de ça. Ça va plus loin que ça. Quand on parle de discipliner son esprit, il dit, discipliner son esprit, c'est le nourrir. Reste avec moi. Je reprends pour que tu comprennes bien. Pour avoir la discipline de la prière, il faut la discipline de l'esprit. Et la discipline de l'esprit, c'est nourrir son esprit. Et je t'explique. On nourrit son esprit généralement avec quatre choses. On nourrit son esprit avec les choses que l'on regarde, les choses que l'on écoute, les choses que l'on lit et les choses qui nous font réfléchir. Quatre choses. Ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis et ce qui me fait réfléchir. Comment tu nourris ton esprit? Parce que la réponse est là. Ceux qui ont du mal à prier, parfois, c'est parce qu'ils nourrissent mal leur esprit. Et je vais t'expliquer. C'est logique. Si je regarde du basketball, si je lis des choses sur le basketball, si j'écoute des choses sur le basketball, si je pense au basketball, eh bien, je serai plus enclin à pratiquer la discipline du basketball que quelqu'un d'autre. Si je parle de cuisine, que je lis les choses sur la cuisine, que je réfléchis à des choses sur la cuisine, je serai plus enclin à cuisiner. Je serai peut-être pas le meilleur des chefs, mais je serai plus enclin à cuisiner que quelqu'un d'autre. Avec quoi tu nourris ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te fait réfléchir? J'ai envie de te dire, toutes ces choses que tu fais, pendant combien de temps tu les fais aussi? L'auteur parlait de la discipline, de l'esprit, et il a martelé quelque chose. Bah, il a dit, la télévision. Il a dit, et je reprends, il est impossible qu'un chrétien qui passe la majorité de ses soirées, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, à regarder les principales chaînes de télévision ou les dernières vidéos, les derniers films sur le marché, il est impossible qu'il puisse avoir un esprit chrétien. Je dis comme l'auteur quand même, il y a de bonnes choses à regarder à la télé et il y a plein de choses pour rien. Mais n'oublions pas que tout ce que je regarde nourrit mon esprit. Tu passes des heures devant ton portable. Tu passes des heures dans ton portable. Tu passes des heures sur Facebook ou je ne sais pas, sur WhatsApp. Tu prends des mille ans sur WhatsApp. Tu discutes, tu fais toutes sortes de choses. Tu remplis ton esprit et tu veux être un bon dans la prière. C'est pas possible. Forcément, ton esprit est rempli de toutes sortes d'autres choses. Tu ne peux pas focaliser, pratiquer, être un bon dans la prière si tu nourris mal ton esprit. C'est logique. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis?
Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Et c'est là aussi que tu comprends les versets tels que « Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs » parce qu'ils vont dire des choses qui vont nourrir ton esprit. Tu comprends aussi le verset que si ton œil est pour toi une occasion de chute, rachète, parce que tu nourris ton esprit. Tu comprends aussi le verset qui dit « Aspirez aux choses d'en haut » parce que là aussi, tu nourris ton esprit. Pierre et Jean, ils n'avaient pas ce problème. Déjà, ils n'ont pas tenu télé. Mais Pierre et Jean, ceux qui regardaient, je pense qu'ils devaient se ressasser les miracles de Jésus. Ils devaient se ressasser les paroles de Jésus. Ils devaient s'édifier avec des versets. Ils étaient nourris par des choses de Dieu. Donc forcément, ils étaient enclins à la prière. Comment tu nourris ton esprit? Et ça m'amène gentiment au deuxième point. On va prendre le verset de la chanson, le verset 6, mais juste le début. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Juste là, il y a un message. Juste là. Nous sommes dans une société de consommation. Et cette société qui nous présente plein de choses, plein de belles choses, avec des facilités de paiement, eh bien cette société qui nous vend du rêve, en fait, nous vend de la frustration et de la tristesse. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes focalisent sur les choses qu'ils n'ont pas. Nous voyons tellement de belles choses que nous n'avons pas. Nous focalisons sur les belles choses que nous n'avons pas. Peu importe la chose qu'on veuille, aujourd'hui tout est beau. Il y a le choix, il y a la qualité et c'est accessible, payable plusieurs fois. Mais ces choses qu'on voit, on ne les a pas. On focalise dessus, on ne les a pas. On se voit déjà, mais on ne les a pas. Et ça nous porte de la tristesse, ça nous porte de la frustration. Parfois même, ça nous donne de la jalousie. Cette société, ce monde fait qu'on focalise sur ce qu'on n'a pas. Et remarque bien, les choses que nous avons ne nous donnent pas, ne nous donnent plus suffisamment de joie pour renverser la tristesse des choses que nous n'avons pas. Dans cette société, il y a une profonde frustration. La puissance du « je n'ai pas ». Une profonde frustration. Mais cette mentalité, cette puissance des choses que je n'ai pas, bloque un éventuel avenir, bloque un éventuel bonheur. Laisse-moi être pratique avec toi. Je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas travailler, donc je ne peux pas être heureux. Je n'ai pas de voiture, donc je ne peux pas aller où je veux, donc je ne peux pas être heureux. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas construit ma maison, donc je ne peux pas être heureux. Je n'ai pas une maison assez grande pour recevoir qui je veux, donc je ne peux pas être heureux. Je n'ai jamais fait de croisière, donc je ne peux pas être heureux. Je n'ai jamais été aux États-Unis, donc je ne peux pas être heureux. Cette puissance du je n'ai pas touche même les églises. Et je vais toucher du doigt quelque chose qui nous touche tous. Parce que même si, il est vrai, nous sommes dans nos familles, nous avons des célibataires. Écoute ça. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'épouse. Donc je ne peux pas être heureuse. Mais ça va plus loin, écoute ça. La femme mariée va dire, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas être heureuse. La femme mariée avec un enfant va dire, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Je n'ai pas de grande famille, donc je ne peux pas être heureuse. Vous voyez, la puissance du je n'ai pas bloque, paralyse, gâche un éventuel bonheur. Et ça va encore plus loin avec les églises. Je n'ai pas ce don spirituel, donc je ne peux pas aider. Je n'ai pas cette aptitude, donc je ne peux pas aider. Je n'ai pas cette sensibilité, donc je ne peux pas aider. La puissance du je n'ai pas bloque, paralyse notre bonheur et d'éventuelles bénédictions qui sont là. Arrête de regarder à je n'ai pas. Arrête de focaliser sur je n'ai pas. Arrête de réfléchir
sur ce que tu n'as pas. Parce qu'en fait, tu nourris ton esprit avec ces choses que tu n'as pas. On s'arrête trop aux choses qu'on n'a pas. Je vais vous dire quelque chose. Pendant le confinement, il y a une chanson chrétienne qui a fait le buzz, j'ai envie de dire. The Blessing. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. Vous savez de quoi je parle, vous chantez mieux que moi. Cette chanson-là a fait le buzz. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez entendue au moins une fois. Elle est chantée par Kerry Jobs et Cody Carnes. Mais pour cette chanson, Kerry Jobs, Cody Carnes et le pasteur Stephen Furtick, c'est eux qui ont écrit cette chanson. Et ils ont écrit cette chanson un peu avant le confinement, mais Stephen Furtick disait que cette chanson est tombée à point. Elle est tombée à point dans le confinement. Dans un message, il disait, les églises sont fermées. Il n'y a pas la possibilité de les faire venir. Je n'ai pas la possibilité de les faire venir. Mais il a dit aussi, mais je vais les bénir quand même. Et il disait, je vais prêcher l'évangile tellement fort sur Internet, tellement fort quand je vais sortir chez moi, tellement fort partout où j'irai que je vais donner mal à la tête au diable. Même si je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de les faire venir, je vais quand même les bénir. Et la chanson de Blessing va dans le même sens. Quand bien même les églises étaient fermées, des millions de chrétiens ont été bénis avec cette chanson. Oui, je n'ai pas d'église remplie. Oui, je n'ai pas ceci, mais ça ne va pas m'empêcher de. Oui, je n'ai pas ça. Oui, je n'ai pas ce, mais ça ne va pas m'empêcher de. Il aurait pu focaliser sur son église fermée. Il aurait pu focaliser sur comment je vais faire rentrer l'argent, parce que ces églises-là font rentrer beaucoup d'argent. Donc, il aurait pu focaliser sur ces choses. Mais il a dit, ça ne va pas m'empêcher de prêcher l'évangile. Ça ne va pas m'empêcher de parler de Jésus. Ça ne va pas m'empêcher d'être heureux. Ça ne va pas m'empêcher de. C'est exactement ce que Pierre et Jean ont fait. Oui, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, oui, je n'ai pas de bien, mais ça ne va pas m'empêcher de te bénir, ça ne va pas m'empêcher de te donner. Satan, tu es un menteur, oui, je n'ai pas de mari, mais ça ne va pas m'empêcher d'être heureux, oui, je n'ai pas d'enfant, oui, je n'ai pas 3 enfants, oui, je n'ai pas de diplôme, mais ça ne va pas m'empêcher d'être heureux. Oui, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas le don de prophétie, je n'ai pas le parler en langue, mais ça ne va pas m'empêcher de. Satan, tu es un menteur. Et c'est exactement ce que Pierre et Jean ont fait. Ils n'ont pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ça ne va pas m'empêcher de te bénir, ça ne va pas m'empêcher de te donner quelque chose. Ça ne va pas m'empêcher de te donner quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et là, on rentre dans le troisième et le dernier point. La suite du verset 7. Je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. Mais assurément, ils avaient Jésus. Ils ont pu donner Jésus. Dernièrement, je discutais avec une sœur et elle me disait qu'elle veut que sa vie de prière change, que sa vie de consécration change, parce qu'elle veut que lorsqu'elle prie, boum, les choses se passent. Elle me disait encore, je veux que lorsque je dis à quelqu'un, je te bénis, elle veut que la personne ressente la bénédiction. Je lui ai dit, waouh, c'est super, mais c'est bien, mais c'est pas tellement ce que moi je recherche. C'est vrai que c'est bien de prier pour quelqu'un, que la personne soit bénie tout de suite. Mais je lui ai dit, moi ce que je recherche, c'est la présence de Dieu. Je prie pour avoir la présence de Dieu. Encore une fois, je veux rentrer et je veux rester. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je prie pour quelqu'un, c'est Jésus que je donne. Quand j'étends les mains sur quelqu'un, c'est Jésus que je donne. Quand je bénis quelqu'un, c'est Jésus que je donne. Quand j'explique un verset, c'est Jésus que je donne. En fait, c'est Jésus que je donne. C'est toujours Jésus que je donne, que nous devons donner. Ma question, est-ce que je donne vraiment
Jésus. Est-ce que tu donnes vraiment Jésus dans nos relations avec les gens, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos réactions, dans nos réflexions? Est-ce qu'on donne Jésus vraiment? Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez jamais remarqué que parfois, après avoir discuté avec certaines personnes, après avoir passé un moment avec certaines personnes, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez mal. Parfois, après avoir discuté avec certaines personnes, vous vous sentez épuisé, vidé. Ça vous est jamais arrivé? Mais aussi, parfois, vous discutez avec une personne et boum, vous vous sentez reboosté, vous vous sentez revivre. Je ne parle pas des mots, je ne parle pas d'encouragement, mais je parle de la présence de la personne. Je parle de la présence de la personne. Reste avec moi et tu vas comprendre. Ça rejoint ce que je te disais au début. Si ton esprit est rempli de peur, de crainte et d'angoisse, et que tu viens prier pour moi au nom de Jésus, je suis désolé, c'est pas Jésus que tu me donnes. Hello? Si ton esprit est rempli d'impureté sexuelle, de pensées impures, ou encore d'amertume, de colère, de jalousie ou de blessure, et tu viens m'expliquer un verset, c'est pas Jésus que tu me donnes. Si ton esprit est rempli de toutes sortes de musique, de toutes sortes de films, de toutes sortes de choses, et tu viens me parler de Dieu, c'est pas Jésus. Si ton esprit est rempli des choses qui te tracassent, des choses que tu dois faire, c'est pas Jésus que tu me donnes. Comprends-moi bien, je ne parle pas de transfert de puissance, transfert de démons. Je ne vais pas aller là avec toi. Je parle simplement des choses qui te remplissent et qui écrasent, qui étouffent Jésus. Et tu veux me donner Jésus. Les choses en toi, les choses dans ton esprit sont tellement tassées que tu ne peux pas me donner Jésus. On a tous des épreuves. On a tous des difficultés. On a des frustrations. On a des envies. On a des choses qu'on veut atteindre. On a tout ça. Mais je ne me laisse pas assaillir. Je ne laisse pas ces choses bouffer mon esprit. Je ne laisse pas ces choses étouffer Jésus. Non. Parce que si je laisse ces choses étouffer Jésus, et que je dis, je te bénis dans le nom de Jésus, il faut que Jésus fasse un chemin, il passe à côté de l'amertume, il passe à côté de, il retire un peu d'angoisse pour finalement bénir la personne. Non, Jésus doit être au top, il doit être en haut, comme ça quand je te le donne, je te le donne. Mais tu es rempli de pas mal de choses. On connaît le dicton qui dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On a reçu Jésus. Jésus est en nous, mais on l'a écrasé avec tellement de choses. L'orgueil, colère, jalousie, envie, les problèmes, nous cacachillons tellement. Toutes ces choses pèsent sur notre esprit. Et on veut prier pour quelqu'un. On veut bénir quelqu'un. Mais je ne peux pas donner Jésus si toutes ces choses sont en moi. Je te le donne, ça veut dire que oui, j'ai ces choses, mais Jésus est au-dessus, par-dessus tout. Et quand je dis je te le donne, Jésus arrive et il bénit. Dieu m'a dit, mon peuple a plein de choses à donner. Mon peuple a tellement de choses à donner. Mais il est rempli. Il est rempli. Avec de la colère peut-être, avec des pensées impures, avec je ne sais quoi. Jésus veut que tu puisses le donner, mais tu es rempli. Encore une fois, je ne parle pas de puissance, je ne parle pas de démons, je parle des choses qui nourrissent ton esprit et qui étouffent Jésus-Christ. Tu as des choses à donner, mais ton esprit est mal nourri. Tu as des choses à donner,
Mais ton esprit est mal nourri. Fais le nettoyage, fais un tri. On a dit ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que je lis, ce qui me fait réfléchir, les bagailles me cacachillé, ça nourrit ton esprit. Alors que tu as plein de choses à donner. Fais un tri ce matin. Dieu te demande de faire un tri. Dieu nous demande de faire un tri et que nous puissions transpirer cette sueur spirituelle et rentrer dans sa présence afin que nous puissions donner correctement Jésus et non pas autre chose, mais c'est Jésus qu'on puisse donner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous vide afin qu'il puisse vous remplir de sa présence et que vous puissiez le donner sans problème. Soyez bénis. Je veux prier avec vous. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, humblement nous nous humilions devant toi et nous te demandons pardon parce que plein de choses nous ont remplis et nous voulons te donner, nous voulons te partager. Pardonne-nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous confessons que nous faisons le tri, que nous retirons ces choses qui t'étouffent. Prends la place, Jésus. Prends la place afin que nous puissions travailler pour toi, afin que nous puissions être bénis, être heureux dans ta présence et pour les autres. Merci encore, Jésus. C'est dans le nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et je vous dis à tout de suite pour la Sainte Cène que nous allons célébrer ensemble. Soyez bénis. À tout de suite. Rebonjour, merci d'être là. Nous allons passer tout de suite à la table, à la Sainte Cène. Je lis avec vous le passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi qu'il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur a lui-même ordonné ce saint sacrement. Il a recommandé à ses disciples de recevoir le pain et le fruit de la vigne, symbole de son corps brisé et de son sang versé. Venez à sa table, le festin est pour ses disciples. Que tous ceux qui ont par une véritable repentance abandonné leurs péchés et cru en Christ et en son salut s'approchent et prennent ces symboles par la foi et participent à la vie de Jésus-Christ pour la consolation de leur âme. Souvenons-nous que c'est en mémoire de la mort et de la passion de notre Seigneur, et aussi en gage de son retour. N'oublions pas que nous sommes un à une même table avec le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui dans ta tendre miséricorde as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort sur la croix pour notre salut, écoute-nous, nous te supplions très humblement. Permets alors que nous recevons ce pain et ce fruit de la vigne selon la sainte institution de ta sainte cène. Seigneur Jésus-Christ, en mémoire de ta passion et en mémoire de ta mort, que nous puissions recevoir les bénédictions issues de ton sacrifice. Permets que nous puissions nous approcher de toi dans une véritable humilité et une foi sincère, tandis que nous prenons part à ce saint sacrement par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vais lever l'emblème du pain. Père éternel, c'est une grâce, c'est une joie, c'est un privilège pour nous de partager cette table. S'il est vrai que la distance nous sépare, nos cœurs et notre esprit sont nos cœurs et nos esprits sont unis. Voici ce pain. Seigneur, c'est le symbole de ton corps brisé, le symbole de ce corps qui a été meurtri pour que nous ayons la guérison et toutes sortes de bénédictions. Merci encore pour ton corps. Merci pour les guérisons. Merci pour les coups que tu as pris. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été brisé pour nous, nous garde sans tache jusque dans la vie éternelle. Prenons et mangeons ce pain en nous rappelant que Christ est mort pour nous. Mangeons ensemble. J'élève le symbole du sang pour nous, Nazaréens, le jus de raisin. Prions. Seigneur, c'est ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous sanctifie. Et c'est ce sang qui nous donne la vie. Merci parce qu'il a coulé. À Golgotha, tu as été percé, tu as été brisé. Et ce sang a coulé, ce sang nous donne la vie et le salut. Merci encore Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui fut versé pour nous, nous garde sans tache jusque dans la vie éternelle. Buvons ceci en nous rappelant que son sang fut versé pour nous et soyons reconnaissants. Buvons ensemble. Alléluia. Seigneur, c'est toujours un privilège et une joie de participer à ta table parce qu'il en découle des bénédictions incroyables. Nous te bénissons et nous te remercions encore parce qu'il y a 2000 ans, tu as fait le nécessaire. Et nous continuons de croire. Le baptême, Seigneur, nous t'avons donné notre vie officiellement. Et cette sainte scène, chaque sainte scène, nous te remercions et nous nous engageons encore à te suivre. Oh, merci Jésus pour tant de grâce et de bonté, d'amour envers nous, les pauvres pécheurs que nous étions. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'avoir assisté à ce culte avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine. Nos églises réouvrent. Donc écoutez les directives, des conseils de chaque église. Pour certains, ce sera des inscriptions. Pour d'autres, c'est une liste bien particulière. Que Dieu vous bénisse. Soyons prudents, soyons vigilants, soyons disciplinés et que toute la gloire revienne à notre Père. Soyez bénis, je vous aime. À bientôt. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Mes yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer.
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Fixe vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. L'honneur est pour toi, papa. La louange est pour toi, éternel. Je t'adore. Je te bénis. Je t'exalte. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer.